Et là qui va là, Inspecteur Gadget. Et là ça va pas. Ouh. Oh là je suis là, Inspecteur Gadget. C'est moi que voilà, Inspecteur Gadget. Ça va être la joie. Ouh. Au nom de la loi, moi je vous arrête. Je vous arrête là. Go go. Gadget à main. Flash. Gadget au chapeau. Gadget, les bandits sont là. Inspecteur Gadget, ils n'échapperont pas. Ouh. Si l'inspecteur fait gaffe, fais gaffe au Gadget, qui marche ou marche pas. Fais attention au matériel photo, Fino. Nous voulons pouvoir rapporter de jolies photos, Sophie et moi. Quelle chance quand même, c'est vraiment chic de nous offrir ce voyage en Afrique. Nom d'un gadget. C'est bien vous, chef. Mademoiselle. Vous êtes où? À vos ordres. À vos ordres, chef. Voici votre mission secrète, Gadget. Soupçonnons Matt de construire base secrète dans la jungle et de terrifier indigènes avec bêtes féroces. Stop, faire enquête, stop. Ce message s'autodétruira. Pas de problème, chef. J'ai toujours aimé les bêtes féroces. C'est impossible. Jamais je n'arriverai à m'y faire. Eh bien, Fino, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Bon, il faut trouver notre avion. Non, jamais tu ne sauras ce que je prépare, Gadget. Que son avion n'arrive jamais. Compris, patron. Votre avion est prêt à décoller, monsieur Gadget. Je trouve qu'il a l'air un peu vieillot. Vous êtes sûr que ça ira? Comme une lettre à la poste, ne vous en faites pas. Ah, ces bons vieux appareils. Ça, au moins, c'était du solide. Dites, allez-y, mollo, c'est délicat, vous savez. Non, ah oui, bien sûr. Allons, on embarque. Ah. Attachez vos ceintures, on part. Tu crois qu'on va aller loin avec cet engin, le Gadget? Mais voyons, bien sûr, Sophie. Le mécanicien a dit n'importe quel fou pourrait piloter cet avion. Patron, appelle le patron. Tu vois, Sophie, aucun danger. Ah, 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 sur la route des étoiles, je m'envole. Allons-nous bientôt arriver, oncle Gadget? Oui, bientôt, Sophie. Non, Gadget, tu n'iras pas en Afrique. J'ai fait installer dans ton avion un dispositif qui t'empêchera d'arriver à destination. Nom d'un gadget. Oncle Gadget, c'est l'hélice. Hop, bon sang, ça craque de partout. Go, go, gadget au copter. Ça ne fonctionne pas, oncle Gadget. Pas de panique, go, go, gadget au manteau. Oh, bravo, vas-y, oncle Gadget. Regarde, nous sommes en Afrique. Exact, Sophie. Bon, maintenant, il faut trouver où atterrir. Là-bas, c'est dégagé.
commençons la descente, doucement, gentiment. Mais oncle Gadget, on n'a plus de train d'atterrissage. Go, go, Gadget aux jambes. Go, go, Gadget au ski. Vite, sortons de là tout de suite. Très bonne idée. Juste le temps de me dégonfler. Ça ne sera pas long. Ah, on est arrivé. On a réussi. Bon sang, il a réussi. Réponds à Jean 063, terreur de la brousse. Très bien. Gadget s'est posé. Tu sais ce qu'il te reste à faire. La panthère noire, Mad, va te faire regretter d'être venu, Gadget. Je vais d'abord vous emmener dans un endroit sûr, Fino et toi. Ensuite, direction base secrète de Mad. Ah, voyons, n'aie pas peur, Fino. Rien ne peut nous arriver, oncle Gadget est là. Oncle Gadget! Plus tard, Sophie. Il faut que j'arrive à me frayer un chemin. Go, go, Gadget ou machette! J'ai dit machette! Oncle Gadget! À tout à l'heure, Sophie. Go, go, Gadget ou laser! Désolé, je ne voulais pas. Mais oncle Gadget, il y a... Pas d'inquiétude, Sophie. Suis-moi simplement. Sois prudente. Quand même, regarde où tu marches à cause des serpents. Allons, du calme, Fino. Tu vas finir par attirer les serpents. Cette liane pourrait faire tomber quelqu'un de distrait. Go, go, Gadget au bras. Ça y est, la voie est dégagée maintenant. Et ça ne risquera plus d'embêter d'autres touristes. Oncle Gadget! J'arrive, Sophie. Regarde, un village. Il n'y a pas l'air d'y avoir foule. Bienvenue les visiteurs. Qui êtes-vous? Je m'appelle Bob la Jungle. Je suis guide professionnel. Ça tombe bien, hein, guide? Je pourrais photographier la base secrète de Mad. Je viens pour un safari photo, ça va toi? J'ai besoin d'un guide, justement. Ne cherchez pas plus loin. Je suis l'homme qu'il vous faut. Mais je dois d'abord conduire ma nièce en lieu sûr. Oncle Gadget, il y avait un hôtel juste où nous avons atterri. Mais tu aurais pu le dire plus tôt, Sophie. Dans ce cas, vas-y avec Fino. Moi, je m'occupe de la base secrète. Bah non, je veux dire des photos. D'accord, oncle Gadget. Fino, ce guide ne me dit rien qui vaille. Suis-les et protège oncle Gadget, c'est plus sûr. Allez. C'est le moment d'y aller maintenant. On dit qu'il y a beaucoup de bêtes féroces dans le coin. Ouais, plein de pièges, la brousse, vous savez. En effet, merci de m'avoir prévenu. Vous connaissez votre métier. Oui, suivez ce sentier. Il y a de bonnes photos à prendre plus loin. J'y vais de ce pas. Oh, c'est par ici? Juste un tout petit peu plus loin. Docteur Gang, Bob la Jungle au rapport. Est-ce que tout est prêt? Gadget est presque arrivé au point stratégique. Parfait. Tu sais ce que tu dois faire. Rien? Complètement désert? Mais quelque chose me dit que je vais trouver quelque chose ici. Urk, voilà, ce n'est pas de l'eau, c'est du pétrole. C'est donc ça, le coin doit être plein de pétrole. Et c'est pourquoi le Dr Gang fait fuir les indigènes. Magnifique! Enfin la minute de vérité, inspecteur Gadget. La dernière. Viens là! Coucou, Gadget au bras! Coucou, Gadget à pluie! Il faut absolument que je retrouve mon guide. Il me semble que c'était par là.
Avec ce piège, je suis sûr de ne pas le rater. Bob la jungle, où êtes-vous? Par ici, venez par ici. Hein? Les indigènes, ils nous attaquent! Sauf qu'ils peuvent! Attaque? Oh non! Ton masque ne trompe personne, indigène. Tu es un agent du Dr Gong. Hein? Rien ne sert de courir. Tu es cerné, mon gaillard. Un cri de serpent. J'ai entendu aussi, Fino. Je préfère ne pas savoir ce que c'est. Pas de doute, Bob la jungle est au service du Dr Gong. Je m'en doutais. Attends un peu, Fino. J'entends du bruit. Quelqu'un s'approche. C'est lui. Il a l'air furieux. Je vais le suivre. Toi, surveille Oncle Gadget. Tu as eu de la chance jusqu'ici, Gadget. Mais je finirai bien par t'avoir à la fin. Ah, le voilà. Tu vas faire une excellente cible pour la panthère noire de Mad. La panthère noire de Mad, c'était ça les rugissements tout à l'heure. Je comprends pourquoi les villageois ont fui. Bob la jungle, où êtes-vous? Vraiment, c'est à n'y rien comprendre. Mon guide, il s'est perdu. C'est pas drôle, parce que j'ai faim, moi. Tiens, une noix de coco, ça me retapera. Tiens, encore ce bizarre cri de serpent. Fino, tu as entendu? Tu as vu quelque chose? Fino, réponds-moi. Oh! Je vais aller jeter un coup d'œil là-dedans. Mais c'est un ordinateur et un radar pointé sur Oncle Gadget. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un gros serpent. Une seule chose à faire, fuir! Go, go, Gadget au bras! Go, go, Gadget aux jambes! Hein? J'adore les animaux, mais je suis très pressé aujourd'hui, désolé. Plus tard, peut-être. Au revoir. Bon, bien sûr, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour s'amuser. Allons, Gadget au bras, il faut que je retrouve mon guide. Ah, c'est mieux comme ça. Bob la jungle n'est pas là. Hein? Va-t'en, chaton, je n'ai vraiment pas le temps de jouer. Autant l'ignorer. Ah ah! Il finira bien par se lasser. Je me demande si j'ai l'air d'un flamand comme ça. Ça a marché. Il n'a déjà plus envie de jouer. Bon, au revoir, chatonnet. Cette chose-là talonne Oncle Gadget. Sans doute un robot contrôlé par ordinateur. Je vais tenter de la détourner. Et voilà, il est neutralisé, je crois bien. Bon, mais où est passé Oncle Gadget? Je ne vois plus sur l'écran.
Je ferais mieux de retrouver Fino aussi. Fino ! Tu m'entends ? Oh ! Chut ! Fais un peu moins de bruit. Bob la jungle pourrait t'entendre. Nous devons retrouver Oncle Gadget. C'est trop tard. Bob la jungle a l'oreille fine. Je vais vous apprendre à m'espionner. Et maintenant, on va s'amuser. Mais où peut bien se cacher ce Bob la jungle? Eureka! Le gadget au laser, je vais lui lancer un signal. Ouch! Pas la peine, Fino, tu n'y arriveras pas. Mais tu viens de me donner une bonne idée. Pourvu qu'elle soit toujours là. Du calme, Fino. Il n'y a rien à craindre, tu verras. Enfin, j'espère. Viens, approche. C'est ça. Parfait. Ouvre grand maintenant. Prêt ? Mort ! Très bien. Fino, arrête de faire le mort. Il faut partir tout de suite. Debout, le temps presse. Allez, monte, Fino. Regarde, rien à craindre. Ce n'est que de la ferraille. Bob la jungle, où êtes-vous? J'arriverai à le retrouver avec mes bonnes vieilles gadgets aux jumelles. Vois-je? Nom d'un gadget. On dirait un vieux temple indigène. Go, go, gadget au copter! Il date de l'Antiquité, ça c'est sûr. Un roi y habite peut-être. Partout mes gadgets. C'est encore lui. Et il a découvert le puits de pétrole. Pas de chance. Il ne survivra pas à sa découverte. Un passage souterrain. Je me demande s'il est habité. Y a quelqu'un? Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement bien, Gadget. Ah, y a quelqu'un? Hein? Allez! Qu'est-ce qu'on entend? Vite, par là! Allez! Excellent, excellent, Bob la jungle. Nous sommes débarrassés de Gadget. Et rien maintenant ne m'arrêtera plus, ni moi, ni Mad. Belle victoire, hein, Madcha? Creuse, Gadget, creuse! Regarde! Ce doit être leur base secrète. Mais je ne vois pas Oncle Gadget. Hé là! Qu'est-ce qui se passe? Tu es censé être sous mon contrôle. Oncle Gadget! Bob la jungle, vous voilà enfin! Oh, bonjour, chef. Du pétrole? Voilà pourquoi on a forcé les indigènes à quitter leur village. Vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes en vie, Gadget? On nous a dit que votre avion s'était écrasé. C'est vrai, chef. Mais que voulez-vous? Gadget arrive toujours à s'en sortir. Je crois qu'il est temps de mettre fin aux activités de cette panthère. Mon chat veut encore faire joujou. Je ferais mieux de me cacher. Gogo Gadget aux mains. Oups. Fausse manœuvre. Allez, viens. Rentrons à l'hôtel avant qu'Oncle Gadget nous voie.
Désolé, mais un gros chat comme toi devrait porter une laisse. Malédiction, Gadget est toujours vivant. Une fois de plus, Gadget m'échappe. Mais un jour, je t'aurai. Quel beau continent, l'Afrique, oncle Gadget. En tout cas, nous avons pris de belles photos. Oh. Hein? Tu sais, j'ai appris quelque chose. Ça ne sert à rien de vouloir jouer aux explorateurs si on manque de préparation. Eh oui, qu'on soit loin dans la brousse ou à deux pas de chez soi, il faut d'abord bien reconnaître les lieux et être équipé en conséquence. Et surtout, une chose importante, si tu dois prendre un guide, demande-lui tout d'abord s'il travaille pour le Dr Gang. Et là qui va là? Et là ça va pas? Oh là, je suis là! Moi que voilà, ça va être la joie. Au nom de la loi, moi je vous arrête. Je vous arrête là. Go, go. Gadget à main. Flash. Gadget au chapeau. Hello. Gadget au poing. Hola. Élastique au gadget, les bandits sont là.